Voilà. Je pense qu'on peut partir sur Blue Shift. Je vous lance le jeu. Non, CS là. Sympa, hein. Allez. Hop. Il faut que je change la scène, bien sûr. Jeu. Et le jeu. Sûr que vous voyez le jeu. On était là. Ouais, Power Struggle. C'est vrai qu'on était là. On devait aller chercher une batterie. Allons chercher cette batterie. Quel enfer. Ok, on a du stuff. Pas aller là. Bon. Mince. J'ai tiré pour rien. J'ai tiré pour rien. C'est bon, monsieur. Je peux m'en charger. Des choses tirent de partout. Nous devons sortir d'ici. Reprenez-vous. Si vous ne parvenez pas à rechercher la batterie, nous allons tous mourir. Oh non! Mais au secours! Qu'est-ce que je suis censé faire là? Je peux. Oh les bâtards! Ils viennent me chercher. Moi je vous attends. Hein. M'en fous, je vous attends. Ils vont carrément au chalumeau quoi. Ah ouais, ah ouais. Voilà. Comme ça qu'on fait. Merde. Balance toutes mes grenades. Bon. Ils sont même là quoi. Miu Auxiliary. Ok, il va falloir qu'on réactive ça sans doute. Ah non, il faut qu'on aille chercher la batterie quoi. MDR. Merde. Ah, on va pouvoir ce heal là. Parfait. Donc du coup ça j'ai appris que du coup c'était normal qu'ils étaient différents. Parce qu'on est dans les niveaux inférieurs, donc dans l'ancien Black Mesa quoi. C'est genre là qui faisait les premières recherches. C'est assez grand. Elevator access. On va aller ici d'abord. Pas le temps à perdre. Pas de temps à perdre. Oh, dommage, je peux pas prendre deux.
Allons voir. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là. Où est-ce que ça nous emmène? On va où là? Ah, on revient ici, d'accord. Dingue ça. Ah merde, y'a plus de... plus de jus. Ah, pas besoin. Ah c'est pareil, y'a plusieurs... Ah mais c'est... on peut pas ouvrir ça. Très bien, c'est par là. J'ai réussi à me toucher le bâtard. Il était à la radio. Ça c'est... oula. Temps de chargement. Où est-ce qu'on est là? On est au-dessus. Très bien. Et là? Ah oh, bah c'est là, ok, d'accord. Très bien, donc c'est par là. Il y a des bêtes là. Comment on fait pour relier ces fils là du coup? Pas mort toi. Alors, il voulait exploser là, mais que j'aime pas. Je sais pas où on trouve un bout de fil, faut trouver un truc. C'est sûr, faut faire ça. C'est sûr. On peut pas passer là-dedans. Ah, on meurt instantanément quoi. On n'a pas de long jump comme Gordon Freeman. Du coup je sais pas. Mais non, ça va pas être là. Ah. Est-ce qu'on a un bout de fil ici ou est-ce qu'on doit mettre une caisse? Un baril comme celui-ci? Pourrait fonctionner? On peut pas le bouger ça, non. Essayons de mettre ce baril là. Ah ah! Ça a fonctionné. Nice. Les caisses en partant. Ouais, rien du tout. Tout est cassé là. Ah, j'ai plus de vie là. Deviens. Nice. Ça fait monter un... moi je sais pas. Bizarre. Oh s'il vous plaît. Faut qu'on descende. J'imagine.
Oh merde, j'ai... Ah merde, j'ai rechargé, j'ai mis ce clic, c'est pas grave. On va refaire. C'est bon là. Voilà. On va éviter de retour au cassé. Parfait. Hop, on vide ça. C'est là que je voulais F6. Voilà, j'ai fait F7 au lieu de F6. C'est bon. Ah, je vais pouvoir me heal encore. Parfait. C'est bon ? Oh ouais. Ah oui, d'accord, donc je suis en bas là. Je suis en bas, mais qu'est-ce que ça me donne ? Je peux remonter. Je peux remonter ici. Je peux remonter en plus en haut. Coulant. Ah, faut peut-être que je remette après. Ah, très bien, je crois que j'ai compris. Ah merde. Il faudra que je me sers de ça pour faire un chemin en fait. Je fais un chemin. Ah, mais. Éviter de prendre trop de dégâts quand même. Ah, le jeu en tout cas a plus d'énigmes que dans Half-Life. Hein. Ça le fait ça. Pardon. Il faut que je me fasse des sauts trop petits. Enfin trop grands justement. Parce que sinon je vais juste pas réussir. En vrai c'est bon là. Avec 3 bidons ça peut peut-être le faire en fait. Je sais pas en fait. C'est sûr qu'il faut faire ça. Hein. Comme ça. Ça le fait? Ça le fait hein. On peut essayer de save en mettant là-bas quoi mais... Ah je peux pas le soulever? Mince. Voilà. Et celui-ci ici. Voilà. On va pouvoir remonter par ici. On se heal. Voilà. Donc on peut j'imagine qu'on peut faut retourner là. Et on va remettre l'eau, je pense. C'est ça. On va juste remettre l'eau. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Ouais. On va retourner là. Let's go. Allez. Nice. Le remonte. Et là, on a un passage. Non. Non mais... Voilà. Pas trop réfléchir. Hein.
Nice, on est full, on enregistre. Donc ça fait mal. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Pareil? Oh mais je peux pas là, j'ai pas de valve. Je vais pas pouvoir Ah mais j'ai... Oh, au secours. L'enfer. Ah mince. Je pensais que j'avais eu, moi. Est-ce qu'il y a des poyaux là? Non. Ah, ok. Ok, je peux revenir ici. Attendez, je suis venu ici ou pas? Unit one off. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, j'ai mis en route. Je sais pas du tout ce que ça fait, mais... Franchement, je sais pas. Des dégâts, mais je crois que j'ai pas. C'est des portails, ça? Faut que j'y aille? Je pense pas, hein. Ce sera plus de ce côté-là. Mais où? Ah bah, j'ai pris un PV, let's go. Mais quoi, il faudrait remplir là, mais comment? Mais comment? Quel procédé? Franchement, j'ai aucune idée. D'accord qu'il me faut une batterie. Franchement, je suis encore paumé. Non, je sais pas. L'eau ne monte pas. Pourquoi l'eau ne monte pas là-bas? On va réactiver la vanne.
Ah, vous pensez que ça peut... La vanne qui était... Qui était de ce côté-là, non? Ok, frérot. Ah, je peux plus, hein. Là. Coulante bassin airlock. Ouais non, je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Les énigmes de ce jeu. Save là. Faudrait aller là, non? Y a pas d'échelle en face, hein? Ici, oui. Faudrait qu'on fasse un pont, mais faudrait que l'eau monte ici, en fait. Comment on pourrait faire que, en sorte que l'eau monte? Un lot quoi que ce soit d'autre. J'entends bien qu'il y a des aliens pas loin, mais franchement, je sais pas. Fallait bien faire ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Franchement, j'ai aucune idée de ce que je peux faire. Ouais, j'espère juste qu'on va pas bloquer pendant trop longtemps. Peut-être aller là. Alors on refait le chemin quoi, mais... Où est-ce qu'on est censé aller? D'où on vient ça? C'est là d'où on vient tout ça là. Techniquement le courant est remis quoi donc... Voyons ce que ça fait.
Merde! Pas ça qu'il fallait faire. Faut remonter? Reviens. Ouais, je reste en dessous par contre. Allez. On a réactivé là, c'est bon? Monsieur Calhoun. Oui. Mais il nous faut vraiment une autre batterie si nous voulons sortir d'ici. Vous devez redescendre, trouver une batterie et la rapporter complètement chargée. Nos vies sont entre vos mains. Faut bien que je trouve une batterie, mais où est-ce qu'elle peut être? Mal. Batteries sont chargées là, mais est-ce que je peux prendre une batterie moi-même? Oh non, mais c'est là d'où je viens. Par là en fait. Non, c'est fermé ici. On a réussi. C'est fermé. Non. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Non, 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 c'est vraiment par ici, quoi. Il leur faut une batterie, mais où est-ce que je peux la trouver, votre batterie? J'ai de l'autre côté, vraiment? Honnêtement pas comment je pourrais y aller. Si je mets ça, vous m'aidez peut-être. Oh mais il y a un cadavre. Voilà. On va le faire tomber. Voilà. Et non, pour le reste, j'entends
sont bien les bêtes là, mais. J'entends bien, hein. Non. Ça marche pas. On est déjà allé ici 3 millions de fois, quoi. Auxiliary Power Statue. Non, 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 ça ne nous apporte rien du tout. Comment on pourrait monter le niveau de l'eau? Si je descends ici, ça m'apporte rien. Avoir des PV en moins, quoi. On meurt automatiquement. Et rien. Je trouve pas de passage en fait. Je ne trouve pas de passage. C'est pas par où aller. Pas une vente ou. Je bloque hein. Vous n'avez pas une idée de ce qu'il faudrait faire ou. C'est dingue. À deux doigts de regarder la soliste, quoi. En fait, faudrait trouver le moyen d'aller de l'autre côté. Mais est-ce que c'est pas avant, du coup? Mais non! On va dire que c'est bon comme ça. Pour le reste. Écoutez, je pense que au lieu de tourner en boucle, je vais chercher juste ce passage-là, quoi. Regardons.
Qu'est-ce qu'il fait après? Oui, il allume ça, mais après. Il retourne en arrière? Monter la plateforme. Bon, excusez-moi, hein, j'ai regardé la soluce, mais faut faire monter la plateforme. Faut retourner là. Donc la plateforme, c'était avant. Oh, je sais plus. C'était là. Faut faire monter ça en fait. Pour là ici tout simplement. Bon. Hop, on se met bien. Attendez. Ouh, il y a du monde. J'espérais que vous viendriez. Vous devez trouver un moyen de rechercher cette batterie et de la rapporter au docteur Rosenborg. Ouais, ouais. Je t'aiderai avec plaisir si vous devriez pouvoir passer la batterie à travers la barrière, jusqu'à la borne de rechargement, derrière moi. Laissez-moi voir si je peux me pousser. Power cell delivery lift. Ah, faut que je mette. Je mette la batterie dedans. Faut que je la mette là-dedans. Ce serait ça, hein, la batterie, on est d'accord. Il est en train de la recharger là. Parfait. Nice. Je vais pouvoir l'emmener. Insert payload. Mais si je la mets là-dedans, ça fait quoi? Ça l'envoie direct en haut ou pas? Possible. Ouais. Je peux remonter maintenant. Je pense que je peux remonter. C'était par... Non? Qu'est-ce que je fais? Par là? Plus par là? Ouais, par ici. J'ai refait la même erreur. Pas grave, on va y arriver. Bon, je suis vraiment désolé d'avoir regardé une soluce, hein, c'est un peu de la triche, mais enfin bon. Enfin, les trucs qui me semblent évidents, je les ai pas souvent, moi. Allez, je vous ai envoyé la batterie, normalement. Oh.
voilà. Kaloun, vous avez réussi. Nous avons déjà commencé à préparer la machine avec la batterie que vous avez apportée. Cette fois, en revanche, la procédure est un peu plus complexe. Oula. J'ai besoin que vous veniez m'aider dans la salle principale. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Faut que je vous aide. Encore. C'est pas la première fois. Quoi, je retourne sur Xen? Non, non, j'y vais pas. Bien, je reste en bas pour surveiller les niveaux et diriger la procédure. J'ai besoin que vous montiez dans la salle de contrôle pour activer le générateur principal. Une fois que le processus aura commencé, vous devrez libérer les verrous d'amortissement à chaque fois que le système sera chargé pour que le champ de déplacement puisse s'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Kaloun. La procédure est assez simple et je vous guiderai pas à pas. J'ai là. Dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous attendez, Kaloun? Allez dans la salle de contrôle et trouvez l'interrupteur du générateur principal. C'est ça? Très bien, attendez mes ordres. Ouais, c'est ça. Une fois que le système sera initialisé, il faudra un peu de temps pour interpoler les fréquences de résonance et procéder au réglage. Alors j'appuie sur ce bouton quoi. Tout semble parfait. Oh mon dieu. La durite principale du système de refroidissement a lâché. Mince. Kaloun, allez jusqu'à la valve qui est sur la passerelle et libérez la pression. Vite, avant que le système ne surchauffe. Bien, continuez à tourner la valve jusqu'à ce que le moteur à des niveaux normaux. Principaux se chargent. Lorsque la jauge de charge principale sera remplie, ouais. Vous devrez ouvrir le champ de déplacement depuis la salle de contrôle. Dis-moi quand. Je suis prêt. On y est presque. Oh, la pression. Bien, le système est chargé. Utilisez l'interrupteur qui est devant la fenêtre de la salle de contrôle. Voilà, le champ est ouvert. Allez-y, Walter. Très bien, Kaloun. Je commence à charger le système pour la prochaine téléportation. Ah, il faut que j'y retourne, mince. Donc c'est bon, c'est ouvert ça, ouais. Ouvrir tout le monde, donc faut que j'appuie à chaque fois, quoi. Oh non. Allez, j'y vais. M'en fous, j'y vais.
Wow. Le voilà. Oh, enfin arrivé. En ne vous voyant pas venir tout de suite, nous avons pensé... Oh mon Dieu, quelque chose ne va pas. Je suis vert. Simon, regardez Kaloun. Son corps semble être dans une sorte de déplacement de résonance. Oh merde, l'enfer. Oh non, l'enfer. Oh non. En haut pour interrogatoire. Oh Freeman. Pourquoi le tue pas tout de suite? Ils sont Gordon. Et si on trouve le cadavre? Un cadavre? Quel cadavre? Quel cadavre? Je connais bien cette phrase. Grâce à Dieu, vous y êtes parvenu. Je craignais que quelque chose se soit produit au dernier moment et que vous ayez été pris dans un reflux harmonique infini. Mais nous avons eu de la chance. Grâce à vous, nous avons réussi à faire fonctionner cette idée. Nous avons réussi, Monsieur Kaloun. Nous avons l'acrobat. Réussi. Acrobat. Je fais l'acrobat. C'est la fin. Aucune autre information. Eh oui, c'est la fin. C'est la fin du jeu. On se barre de Black Mesa, on a réussi. Ah ouais, donc ça se passe... Ouais, c'est ça, ça se passe vraiment pendant, en plein dedans, quoi. Genre, Blue Shift commence au en même temps que Gordon Freeman arrive, quoi. Et ouais, nous, on se barre de Black Mesa. On arrive à se barrer de Black Mesa, alors que Gordon Freeman vient de se faire capturer. Ça permet de situer la chronologie. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé dessus? Pas plus que Half-Life, je pense. Ouais, le jeu est beaucoup moins long qu'Half-Life, mais le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Parfait. Et les crédits fonctionnent, contrairement à Half-Life. Bon, c'est vraiment dommage que Half-Life fonctionne pas, quoi. Les crédits de fin... On a réussi à finir avec 13 PV. Hein. Tu finis toujours l'eau de façon live. C'est peut-être fait exprès, hein. J'en ai aucune idée. Jusqu'à pareil, la bande originale d'Half-Life de Valve Software, voilà. Bande originale d'Half-Life, c'est vraiment pas mal. Des bruits électroniques, des sortes de fin. FIN. Est-ce que ça bug ou est-ce qu'on retourne au menu? Je crois qu'on est bloqué. Ah non! Ah, on retourne au menu! Waouh! Bon! Alors. Ah, on peut retourner à Half-Life comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Voilà, on a fini Blue Shift. Donc, la prochaine fois. Donc, la semaine prochaine, peut-être. Peut-être. En tout cas, cette semaine, je vais pas stream du tout. Hein. Je vais rien pouvoir vous proposer. Eh bien, on va finir... Enfin, on va commencer Opposing Force. On va commencer Opposing Force simplement. Alors, Opposing Force, c'est un tout petit peu plus long que Blue Shift. Sachant que je slow run, bien évidemment. Ensuite, après Opposing Force, eh ben, on aura DK à faire. J'ai réussi à installer un mod. Mod d'Half-Life, du coup. Pour pouvoir jouer à DK. Half-Life DK. Du coup, on va faire en solo. À la base, c'est un mode de joueur pour la PS2. On va le faire en solo. Ça devrait pas être très long non plus.